qui aujourd'hui se retrouve pour une vidéo, j'espère que ça filme. On va se retrouver pour une mise au point sur ma chaîne. Et j'ai juste une main sur deux de fait parce que voilà, c'était juste pour faire des trucs en fait. Et je suis désolée, mais je l'enlèverai après, bien sûr, je vais pas sortir comme ça. Petite mouche, arrête de m'énerver s'il te plaît. Je suis vraiment désolée d'avoir une mouche. Donc voilà, et j'espère que ce nouvel environnement va vous plaire. Donc je suis juste derrière en fait mon petit bureau où il y a un peu banal toutes mes décos, mon petit poisson. J'aime beaucoup. Et voilà, des petits vernis, j'ai réglé, mes décos et voilà. Et mes bougies, donc voilà, je me suis fait un petit déco arrière pour faire un arrière-plan potable parce que après derrière le garde-robe c'était pas très intéressant. Quand j'aurai mon trépied, ça sera sûrement en fond blanc, je sais pas encore. Mais voilà, donc voilà pour la première mise au point. En même temps, ça fait la première mise au point. Je voulais vous parler de ma caméra, de tout ça. Donc voilà, au début, je filmais avec mon iPad et la qualité elle était bien, mais ça rendu vraiment pas beau. Et voilà, c'est une caméra de base, donc c'est pas une Canon IOS 600D, 600D ou des trucs comme ça, mais c'est une caméra que j'ai pour débuter. Pour l'instant, elle me va très bien. Et en fait, je vais vous la montrer. Elle est comme ça. Et donc elle est bleue comme ça. Elle est vraiment trop belle. Et c'est la IS213-2. De toute façon, vous l'avez tout le temps en barre d'infos. Et donc voilà. Donc j'aime beaucoup cette caméra. Je la trouve super pratique. Bon, la qualité, c'est vrai qu'il y a des petits grésillements. Et bon, vous m'entendez pas comme hyper bien, quoi. C'est vrai. Mais bon, pour l'instant, moi ça me va. Et voilà, j'aime bien cette caméra. Puis pour mon logiciel de montage, c'est iMovie. Et je suis vraiment hyper déçue d'iMovie. Pour, je pense, 6€, je l'ai payé 5,99€. Et vraiment, je suis vraiment déçue. Donc je vais peut-être mettre la mise à jour. Mais pour l'instant, ouais, je suis déçue quand même. Mais et donc j'espère bientôt changer. Troisième mise au point, et je sais pas si c'est la dernière. Mes vidéos, donc la fréquence de mes vidéos. Il y aura un dimanche sur deux, un bonus, comme là je vous parle. Là c'est la vidéo du dimanche, exemple. Là c'est la vidéo du dimanche. Un dimanche sur deux, parce que un dimanche sur deux je vis chez ma grand-mère, et du coup je peux pas vous poster puisqu'elle n'a pas internet. Et donc voilà, et donc je vais... vous présenter une vidéo un dimanche sur deux. Sur le mercredi, ça sera uniquement consacré au nail art et aux ongles parce que c'est ma passion, et voilà, il faut que ça passe avant tout, hein, d'après moi. Et du coup, bah, soit le vendredi ou soit le samedi, de temps en temps il y aura des vidéos comme ça, maquillage, peut-être DIY, do it yourself, des hauls, des trucs comme ça. Et voilà pas mal le genre de vidéos qu'il y aura. Si jamais je rate des vidéos des fois, ne vous inquiétez pas, je suis vraiment désolée, je pourrais pas tout le temps être là pour les devoirs, tout ça, c'est vraiment pas pratique, les vidéos. Mais bon, c'est ma passion, donc moi je la vis à fond, ma passion, parce que j'adore en fait, tout simplement. Et voilà. Et donc je n'arrêterai pas YouTube, pour l'instant ce n'est pas prévu. Donc voilà, j'aimerais avoir le max d'abonnés et j'aimerais avoir une chaîne super cool. Même si je ne fais pas une chaîne YouTube pour être super connue. Je tenais à vous dire un truc. Je sais plus c'est quoi. Ah oui. Sachez que je ne suis pas monétisée puisque je n'ai pas accepté. Je n'ai pas envie. J'ai envie de faire ça. Voilà. Pour ça. Parce que j'ai envie. Bah, c'est une passion, quoi. Et du coup, voilà, c'est pour ça que vous ne verrez pas de pub pour l'instant sur ma chaîne. Donc peut-être à venir, hein, quand j'aurai plusieurs abonnés, parce que là, je n'en ai pas pour l'instant beaucoup. Mais donc voilà, pour la quatrième mise au point. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait de mon possible pour faire une vidéo potable. J'espère que l'arrière-plan vous plaît. De toute façon, si un jour vous faites un retour ou un truc comme ça, je vous la montrerai. De toute façon, c'est mieux. Et sinon, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut.